je vais revenir vite fait sur la séance de philo quelques jours après. Donc comme vous allez voir dans sa globalité, ça a été assez mitigé. On a essayé d'utiliser un stick et ensuite j'ai pris un stick. Et peut-être une ciseur à les éperons, je ne sais pas. Mais voilà, ça a été compliqué. Mais on va retenir que le positif et le gros point positif de cette séance. Et ben comme vous l'entendrez dans la vidéo, c'est qu'on a galéré pour la première fois avec Philélo. Donc bon, à savoir, oui, il prend trop de courses, mais vraiment, je trouve que la vidéo exagère vraiment ses mouvements parce qu'il avait, enfin, oui, il avait un trop de courses, mais qui était contrôlable, genre qu'elle n'allait pas m'embarquer, quoi. Enfin, si vous voyez, quoi. Et après, il s'est mis au galop. Au départ, je réalisais pas trop. Et j'ai plus réalisé en voyant la vidéo, en fait. Parce que son galop, je vous dis, vraiment, est hyper léger. En plus, on est sur un fauteuil, quoi. Parce qu'en plus, une fois, on avait fait un entraînement cross. Et après, un contre-haut. Contre-bas, pardon. Et ben, il avait galopé et je l'avais pas senti. J'avais dit à ma prof, mais il galope. Et elle a dit oui. Donc voilà, comme quoi, faut se contenter de peu, faut récompenser beaucoup. Enfin, il n'y a rien de plus important que la patience. Et ça, mes chevaux, ils me le rappellent sans cesse, sur chaque séance. Franchement, c'est avec eux, ça l'était avec comme mon ancien cheval, mais avec eux, la remise en question, elle est constante et franchement, je les remercie au quotidien pour ça. Donc voilà, donc j'espère que ce petit monologue et toutes ces vidéos que Chérie a gracieusement filmées vous a plu. En tout cas, moi, j'ai plaisir à nouveau à vous partager ça. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.